C'est la même journée ici là pour officier l'école publique dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Tes marché dans différents rues dans la capitale là pour dénoncer mauvais traitement. Il dit qu'il y a subi dans le système éducatif là. Le professeur n'a pas touché, l'élève n'a pas joué l'espace et appuyé en route à l'école. Nous n'avons pas d'assurance santé, donc nous n'avons pas d'assurance vie. Donc nous-mêmes, en tant qu'enseignants, nous réjouissons tout privilège que les professionnels, que les bons professionnels capables de jouer. En plus, nous avons des professeurs qui travaillent dans la salle de classe pendant plus de 5 ans. Ils n'ont pas jamais nommé les ministres à Génon-Tardel. Ils n'ont pas de nomination. Alors que les professeurs qui qualifient, pour y enseigner sur nous, normalement, comme ça, il n'y a pas qu'à lire. Nous n'avons pas d'assurance. Donc, si nous malades, assurance, nous avons assurance et une carte de famille qui est liée. Et puis nous, 13 000 gouttes, 13 000 gouttes et nous avons, c'est presque comme ça, pas qu'à répondre avec les autres. Je veux dire, avec le courage qui est exagéré, à 13 000 gouttes, pas qu'à répondre avec les autres. Donc, il faut que l'État avance notre temps. De l'autre côté, situation économique et sécurité pays n'a pas permettre majorité élèves dans l'école publique. Ils prennent chimé l'école tant que le ministère a demandé ça. Si nous quoi, Mme Derius, j'ai professeur dans l'école nationale Virginie Sampeur, et M. Wilner Denizier, professeur dans l'école lycée Marie-Jeanne. Pour moi-même, par rapport à son là où hein, qui fait si je ne pas venir l'école, parce que je te dis, il y a bien tiré, il y a bien d'autres problèmes encore, par rapport à la paix sortie. Parce que nous ne sommes pas un petit monde, pas un petit monde qui finit. Je souhaite que ce soit un petit monde qui ne pas venir l'école. Parce que nous connaissons, nous gagnons un billet, nous gagnons un bail pour nous suivre. C'est que soit tout le monde qui vient l'école, nous gagnons l'école à travers. Ta oui, classe. Qu'est-ce que vie? Même si nous sommes moi-même, personnellement, pour vivre la matin, c'est très difficile de marcher. Si d'abord, pour moi-même, pas d'abord, parce que pas de transport, pas de carburant, circulation difficile. Ok? Mais même structure d'accueil, là, parfaite. D'ailleurs, ils ont commencé à faire ça, mais fini, ils vont finir. Et puis, ils ont dit, l'école a réouvert le 9. De toute façon, comme nous avons constaté, nous avons l'impression que les gens qui nous ont fait ces vignes-là, c'est les gens qui sont plus près. Mais ça capte notre distance. Quand on prend la machine, on va suivre le carburant. Nous avons fait connaître, dans le cadre de la cérémonie lancement officiel réouverture année scolaire 2019-2021, le ministre de l'Émission et l'Éducation nationale, la, M. Pierre-José Agenokader, fait connaître, de mois mars 2017 à date, l'État a déjà nommé 30 000 enseignants dans le système éducatif. Massia Dovine Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. On dit que grand pile mesures qui étaient prises au niveau de l'autorité pour l'école a été ouverte effectivement. Et jeudi, notamment la police avec le ministère de l'Éducation nationale. Pour ça a été fait maintenant que nous capables, c'était timidement, ça a été passé dans la capitale là. Et bien l'école, il était vide. Et dans la ville Okaï lui-même, dans le département sud-pays, au lieu de l'école, c'était manifestation qui était gagnée, il y a une panique dans la ville Okaï. Et correspondant à nous, Jean-Hens Eliska était sur place. Là, dis-nous plus. Porte l'école fermée, plusieurs rues comme ça, pas fonctionné. C'est dans situation ça, ville Oka est levée, journée lundi 9 septembre 2019 là. Commissaire gouvernement Oka là, maître Raymond Bergeau, qui exprimait préoccupation face à situation ça, fait qu'on est, la police avec la justice déjà prend toute disposition pour l'école relouvrir dans ce pays là. Mais ça, j'ai envoyé par parents, et nous voulons dire non, nous capables de prendre la rue pour nous mener petit dans l'école. Toute disposition qui est prise, le conseil de la justice avec la police pour assurer sécurité élèves à yo et dans la rue et bon établissement scolaire yo. Mais n'a profité du tout à élèves à yo qui prend pause, y a manifesté, qui a fait des audios, nous pas prend ça dans main yo. M'a lancé une zéro tolérance non net qui dit y a manifesté, qui a mis cagoule dans tête yo. Zéro tolérance dans net qui dit zéro tolérance dans net qui a manifesté, qui a porté pic à poya sur vous. Nous demandons la police pour mettre l'ordre dans le. Il a continué à manifester jusqu'à ce que le président Jovenel Moïse quitte le pouvoir. Le Sud, nous prenons la ouïa et nous quittons le béton. C'est jusqu'à ce que Jovenel même quitte le pays national pour qu'il démissionne directement pour la pétition de la politique pour juger. Et le condamné, monsieur, c'est le sac qui est fait. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique, au Caï. Dans le camp David, ensemble avec le président afghan Ashraf Ghani, quelques jours avant la commémoration du 18e anniversaire de l'attaque groupe terroriste a été lancée sur les États-Unis. Le président Trump a déclaré qu'il prend décision après l'attaque taliban a été lancée et qui touillait 12 personnes parmi eux, un soldat américain. We've got to get it right. We've got to protect American national security interests. So the secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré dans le programme de télévision ABC this week, nous devons bien faire, nous devons protéger l'intérêt de sécurité nationale des États-Unis pour le groupe terroriste ne pas jamais attaquer nous encore depuis le territoire afghan. Qui a 18 ans depuis en Afghanistan. Président exécutif américain de l'université en Afghanistan, David Sidney, dit que quoi, si les talibans ont réagi sur le document provisoire pour assister à l'attaque, je crois que ça a montré un progrès, je dis. Mais les talibans ont décidé de lancer l'attaque en Afghanistan après l'accord de Doha. Ça soulève des questions pour demander si oui ou non les talibans ont sérieux concernant la paix.
Taliban ont considéré le 23 septembre comme date, une autre étape pour commencer à négocier avec l'autre faction afghane, parmi le président Ashraf Ghani. Un membre du Parti républicain a mis un message sur les réseaux sociaux Twitter pour dire que Taliban n'a pas dû venir régler rien aux États-Unis. What the president has said, the president of the United States in his tweet. Sédik Sédiki, qui est porte-parole président afghan, Ashraf Ghani, dit déclaration président Trump publiée sur son Twitter là pour annuler rencontre. Lui dit pas de chita parler qu'on ira. Nous croyons ça dit à refléter inquiétude qui gagne pas seulement dans la capitale afghane, Kaboul, mais tout dans Washington DC. Closing in on a solution and closing in on an opportunity for the president to actually meet with the decision. Secrétaire d'État Mike Pompeo déclaré violence taliban continue à faire gaspiller plusieurs mois de négociations. Les n'a gardé action comme ça alors que nous avons presque joué une solution pour le président lui-même saisir l'opportunité pour te rencontrer avec le responsable taliban pour porter un message de réconciliation avec la paix à Baïpe Afghan. Eh bien, président Trump dit FIFI N fini. C'est top à toi. Nous pas faire encore, nous pas récompenser mauvais comportement. Si tu as parlé qui campait pour qu'on y est là, mettez en veille plan qui te prévoit retrait 5000 soldats américains dans 5 bases militaires en Afghanistan pendant 135 jours. Et puis ça, la nouvelle loi d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Il faut dire que question rencontre qui t'a parlé gain, ou rencontre secret qui t'a parlé gain entre président Donald Trump avec quelques leaders talibans. Eh ben c'est un dossier qui a fait un pile débat, qui dans un pile débat ici aux États-Unis. Et président Donald Trump lui-même dit mesurer décision que le prend et rencontre ça a été pour te faire dans un lieu qui historique, qui très spécialiste aux États-Unis, c'est Camp David. Et l'autre point dans l'actualité internationale, là, agence l'ONU qui a suivi l'activité nucléaire, fait qu'on est jeudi à inspecteur Lio confirmé que l'Iran a installé centrifuge puis avancé qui a servi pour raffiner uranium. Une déclaration agence énergie atomique fait qu'on est équipement Lio gagne plusieurs centrifuges que l'accord nucléaire 2015 là interdit. Accord que l'Iran te joint avec un groupe puissance mondiale qui était limité programme nucléaire Lia pour le cas joignent un soulagement. Non, sanction, il faut dire que c'est un accord que les États-Unis lui-même quitté avec décision président Donald Trump. Confirmation venue quelques jours après autorité Iran a annoncé action Yoa. Iran fait qu'on est nation en Europe pas fait assez pour aider secteur pétrole Iran fait face à sanctions les États-Unis. Et l'autre point dans l'actualité internationale là, il y a un tank pétrole iranien qui dans centre il y a un gros chirépite diplomatique avec les États-Unis fin van changement lié d'après ça Iran déclaré. Tank pétrole Adrian Daria finalement accosté sous côte l'en mer Méditerranéen et il débarqué changement lié d'après sa agence nouvelle IRNA annoncé l'elle fait connait licité déclaration porte-parole ministre affaires étrangères Abbas Moussavi il y a dimanche là. Tank a apporté 2 100 000 d'hommes pétrole brut. Yon satellite fait photo li semaine passée sous côte pays la Syrie. La Russie élection locale qui déroulé ça pas gain longtemps là poté yon vent défaite pour candidat qui affilié à Kremlin côté au perdu yon tiers dans siège yon te gagné dans conseil municipal Moscou. Cependant, quelques autres gouvernements qui joignent appui président Vladimir Poutine rivé maintenir à peu près 16 postes gouverneurs importants dans coup place ville Saint-Pétersbourg qui c'est deuxième capitale de la Russie. Serge Rodriguez a dit nous plus depuis les nouvelles. Électeurs dans la Russie qui ont été faits plusieurs candidats qui affiliés à Kremlin dans la capitale de la Moscou et dans l'autre élection locale qui déroulait à travers tout le pays. Il y a une défaite qui est intervenue malgré le gouvernement russe qui a mis une interdiction sur divers candidats d'opposition. Il y a une situation qui a débouché sur manifestation et arrestation en masse dans la capitale. L'autorité électorale a fini de compter plus fort bulletin vote et dépouillement scrutin a montré que le candidat pro-Kremlin a perdu un tiers dans le siège qui a gagné dans le conseil municipal de Moscou. Résultat, ça a aussi géré que plein d'opposition a été mis en place autour du candidat Kremlin a été ciblé. C'est une stratégie qui peut des résultats positifs. Et stratégie ça a demandé pour électeurs dans le camp à voter pour n'importe candidat qui a gagné une meilleure chance pour remporter la victoire. Лидер оппозиции, это Алексей Навальный. Мы надеемся, по крайней мере, что мы сможем на более-менее существенный... Мы надеемся, что мы сможем на более-менее существенный... Мы надеемся, что мы сможем на более-менее существенный... La dernière fois, parti ça a été remporté 40 sièges sur 45 en total. Si vous jouez même un grain de vote en moins, c'est pour aller un bon bagaille. Mais nous espérons que nous pourrons être capables de mettre plus de pression sur eux. La commission électorale russe a mis une interdiction sur une grosse majorité de candidats dans l'opposition, peut-être à soi-disant, pas joindre à ces signatures pour participer dans l'élection. Faut que nous rappeler que l'interdiction sur candidat opposition a été débouchée sur environ 2500 arrestations et ça devine faire une course électorale locale simple, devine tourner un test sur liberté politique dans la démocratie contrôlée, président Vladimir Poutine mettait sous pied dans la Russie. En tout cas, candidat Kremlin a appuyé, semblé au sourd pour maintenir quelques postes gouverneurs importants dans 16 régions différentes, parmi eux, deuxième capitale de la Russie, ville Saint-Pétersbourg. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington.
Merci Serge Rodriguez, ou toujours sur la voix de l'Amérique, la permettre depuis Washington DC. Nous voulons saluer tous les amis Facebook, nous, qui suivent nous en direct dans le moment ça, que vous êtes en Haïti, que vous êtes dans la diaspora haïtienne, aux États-Unis, au Canada, en France. Et l'autre côté, nous disons merci pour fidélité, sans pas oublier que vous avez écrit nous sur page Facebook. Nous, quelques fois, nous pas gain temps pour nous répondre, mais nous répondons et pour ne pas fatiguer. Donc, l'autre point dans l'actualité internationale, là, nous allons aller en Amérique du Sud, où le commissariat de l'ONU pour droit de l'homme lancer appel pour demander gouvernement Venezuela ak opposition pour résoudre mésentente qui la cause conditions sociales ak économiques ak abus contre droit moun a vinn pi grave dans pays ça. Michel Bachelet présenté dernier tableau sur situation dans Venezuela dans Conseil l'ONU sous droit moun tankou Serge Rodriguez pour dire nous ça depuis salle des nouvelles. Nations Unies rapporté que plus passé 4 300 000 réfugiés et migrants en Venezuela courir quitter pays. Puis fon ayo jete ko dans nation voisin. Chef l'ONU pour droit moun, Michel Bachelet avait dit que exode ça continuer tout autant conditions sociales et économiques à gabu droit moun n'a pas gravé. Madame Bachelet parlé comme ça pendant un interprète traduit pour lui. Biwo moyen gain document sur cas maspina et mauvais traitement physique et psychologique sur moun qui perd liberté sans jugement et spécialement même la mère. Conditions prison pas répondre niveau qui pi bas que communauté internationale a accepté et moun qui en bas cordio pas gain accès à soins médicaux. Mandé autorité au agir pour yo corriger pratique ça yo permettre moun joindre soins médicaux et mener enquête sur violation qu'a fait contre droit moun. Madame Bachelet te visité Venezuela en mois juin passé et te jeune autorisation tabli bureau li nan capitale la Caracas. Depuis là il dit gouvernement Nicolas Maduro a lagué 83 moun qui était en bas code sans jugement et prisonnier après recevoir plus soins médicaux. Mais il fait qu'on est avance ça yo piti comparé à souffrance plusieurs millions d'habitants à cause d'inflation côté prix produit au monté 17 hôtels, manque manger, médicaments à prix, l'autre produit à services essentiels. L'Ipalé et on était prêt à traduire pour lui. Dans la situation, ça, 8 août passé, a été exprimé qu'est sauté sous effet nouveaux sanctions gouvernement états-unien imposé sous pays en cagain sous droit moun. Malgré exception non dernier sanctions yo qui couvrit assistance humanitaire, secteur financier qui même allait plus loin passer sa sanction yo mandé, réduction dans revenu l'état yo ak nan la vente pétrole, tout ça déjà gain un effet grave sur programme social yo à population en général. Madame Bachelet avait dit que exode réfugiés ak migrants kap sorti Venezuela a déstabilisé région. Il exprimé qu'est sauté sous nouvelle qui parlait de moun qui pa vle ouais étranger dans pays qui recevoir monde Venezuela yo. Et puis tout danger a augmenté pour monde Venezuela victime diverses formes de violence, exploitation et trafic. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Merci Serge François Michel. Donc chaque Serge te gain yon dossier, Serge et Rodriguez te gain dossier la Russie élection dans pays la Russie et puis Serge François Michel tapo situation dans pays Venezuela surtout avec intervention madame Michel Bachelet qui est haut commissaire dans Nations Unies pour droit moun. Et puis on parlait de Dorian toujours en vie mais il fait un pile dégâts dans Bahamas tant que nous capable wel là c'est gen moun qui parlait qu'on y a de crise humanitaire dans Bahamas et des plusieurs en pile monde qui a essayé qu'on a quitté Abaco pour y aller l'autre côté parce que Abaco c'est un côté qui pi touché yo nous gain haïtien dans zone là par exemple Nassau pas touché en pile tant que Marcel Joseph te fait nous connaît gain pile l'eau qui rentré Kaimoun mais il y a pas crasé Kaimoun mais cependant tant que nous capable là dans Abaco ba là on dit gens pi grave et c'est en pile monde qui a essayé ouais qui ça capable faire pour porter secours gain secours qui a sorti un peu partout donc secours ici pendant ce temps et ben yo même chercher cadavre avec survivants après passage cyclone ça pendant ce temps la police mandé résidents qui dans zone yo pour yo fournir autorité yo information sur zanmi yo ou bien membre famille yo qui porté disparu que yo pa wè. Donc bilan la police fournit jusqu'à présent rivé à 45 moun qui t'a mouri et mais quantité capable a augmenté parce que il dit à mesure que secours a découvert l'autre cadavre et ben chiffre a augmenté et pendant ce temps il y a plusieurs organisations qui ont essayé porter secours dans Bahamas parce que situation très grave et on parlait de une crise humanitaire parce que pays a pratiquement détruit ou bien paquet zilé dans zone là et ben n'a suivi pendant ce temps cyclone Dorian lui-même l'a passé kounye là sous parti l'est pays Canada côté il touchait terre dans journée samedi 7 septembre nan, même le atout li tourné yon tempête tropicale. Lionel Demarat a dit nous plus sous question. Cyclone Dorian tourné yon tempête tropicale nan journée dimanche 8 septembre 2019 là, pendant l'a déplacé sous région Terre-Neuve avec Labrador au Canada ensemble avec partie nord-ouest océan Atlantique là. Cyclone dévastateur ça arrivé sous côte Atlantique Canada nan journée samedi avec gros vent qui tape mettait pied bois à terre, coupé courant électrique
et puis il était renversé un gros coquin chaîne grue qui t'a servi dans construction dans ville Halifax, capitale province Nouvelle-Écosse. Autorité canadienne fait connait plus passé 400 000 moun pas gain courant électrique la caillou, mais nouvelle yo pas parler de résidents qui t'a blessé à cause passage mauvais temps. Paul Mason, c'est un officier dans le service canadien pour gestion urgence. Monsieur Manson dit, nous bien satisfaits pour façon réponse là à marcher jusqu'à présent. À la vérité, n'a passé rapidement dans phase évaluation et recouvrement. Pendant ce temps, autorités ont parti nos Pays-Bas, Mas, commencé à déplacer cadavres moun qui mourit sous île Abaco, qui te recevoir frappe un cyclone catégorie 5 semaine passée. D'après gouvernement en Nassau, capitale là, quantité moun qui mourit yo monté rivé 45. Cependant, yo attendu à ce que vrai chiffre total là pral dépasser 100 moun. Après équipe recherche ak secou yo va arriver dans montagne côté cyclone là quitté Yumban avec un paquet de débris. Il a transporté cadavre par hélicoptère sous île New Province côté nous joindre capitale là pour technicien tant que docteur légiste continuer opération évaluation. Autorité au transféré dans Nassau plusieurs centaines moun qui survivent cyclone là sous île Grand Abaco. Gerlaine Merizier, c'est un monde qui vit dans Abaco. Les cas moyens ont écrasé. J'ai senti que c'est comme si je mourais. En pile, je mourais. Et je me suis senti que c'est comme si je mourais. Là même, sous place, nous avons commencé à prier des choses comme ça. Et puis, nous arrivons sauvés. L'Agence américaine pour le développement international, USAID, fait qu'on a ajouté 1 million de dollars sous valeur l'agent assistance de l'État Bahamas pour faire arriver un total de 2 800 000 dollars. En même temps, l'agence a rassemblé provisions assistance d'urgence pour 44 000 personnes. Mark Green, c'est administrateur USAID. Monsieur Green déclarait, nous reconnaissons nous gagnons une route bien longue devant nous, mais nous prenons le travail main en main avec le Premier ministre là et avec le gouvernement là pour nous assurance que nous aider à offrir soulagement immédiatement pour la population affectée. Et nous pourrons faire tout ça capable sous leadership chef gouvernement pour aider le pays à recamper sous pied pendant semaine avec moi important Cap Vinilayo. Déclaration Mark Green, administrateur Agence américaine pour développement international, USAID. La Croix-Rouge américaine lui-même tout prend engagement pour le voyer pour commencer. Premier parti assistance li qui m'ont arrivé 2 millions de dollars pour aider Moon Bahamas recamper sous pied après passage cyclone d'Orient.